Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. On se retrouve pour la suite de la carrière pro de mon joueur avec le RC Lens. Comme vous le savez, dans l'épisode précédent c'était un peu compliqué pour moi, voire même carrément compliqué. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que l'entraîneur a décidé de nous faire chauffer. Je vais pas y aller par quatre chemins, vous avez été nombreux à me lâcher un commentaire dans la vidéo précédente. Est-ce que je dois rester ou partir, être prêté ou pas ? J'ai décidé de rester au RC Lens, j'ai décidé de ne pas abandonner le RC Lens, j'ai décidé de me battre pour une place de titulaire parce que voilà, j'ai quand même 71 de général. Il y a moyen pour que je récupère ma place de titulaire, donc en tout cas j'espère et j'ai l'ambition de la récupérer. Et c'est surtout en regardant le classement, quand je vois que le RC Lens est 18ème, ce serait trop facile de partir et d'être prêté et voilà, d'abandonner indirectement le RC Lens. Non, j'ai envie de les aider à remonter au classement. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de rester. J'espère que vous allez continuer à me soutenir dans mes choix de carrière. En tout cas, voilà, c'est fait. Je ne vais pas revenir en arrière. On va avancer pour ces dernières heures de Mercato. On va tout simplement avancer. On va passer, il reste 7 heures. Ouais, ça va être chaud, ça va être tendu. En tout cas, le plus important à ce moment-là, c'est que l'entraîneur me fasse jouer, tout simplement, parce que là, l'entraîneur, ça va faire au moins, je sais pas, allez, on va dire à un mois qu'il me fait chauffer. Ça va faire 5 ou 6 matchs que je joue pas. Donc, j'espère que dans cette deuxième partie de saison, l'entraîneur va décider de me faire confiance, tout simplement, et puis que je vais pouvoir, tout simplement, jouer mes matchs et puis faire enchaîner les bonnes performances. C'est surtout ça, le plus important. Quand je regarde, j'ai fait que 10 matchs à la mi-saison et j'ai planté 3 buts. C'est pas exceptionnel, c'est vrai, mais quand on est le RC Lens et qu'on regarde qu'on est 18ème, c'est pas top, mais c'est pas non plus dégueulasse. On va dire que c'est moyen, c'est même très très moyen, c'est un petit peu en dessous de moyen. Tu n'as pas été retenu. Alors là, il y a deux options qui s'offrent à moi. Soit, tranquillement, je me bats, je continue de me battre. Allez, une petite défaite en plus de ça. Je me bats pour récupérer ma place de titulaire. Soit, je vais voir le coach à la fin d'un entraînement. Petite balayette, patate dans le menton. Et on n'en parle plus. Mais à ce moment-là, ma carrière de footballeur est terminée. Ou sinon, je décide de boycotter des entraînements. Je décide de... Non, plus sérieusement, j'espère vraiment que l'entraîneur va me faire confiance et va au moins me faire jouer un match là. On se calme les gars, tout va bien. Tout est sous contrôle, les potes, ça va aller. Là on a une victoire, non, un match nul. Donc je veux pas dire de mensonge, mais j'ai l'impression que sans moi, ils sont pas tip top, tu vois. Je vous fais encore, c'est pas possible. Si là on perd face à Caen, c'est vraiment critique là. Là c'est vraiment critique. Non, là le coach il doit vraiment réfléchir et se dire, bon, en 3 matchs, on a fait 2 défaites, 1 nul. Va peut-être falloir penser à rappeler Flonox dans l'équipe, je sais pas. Ça par contre, ce que je trouve vraiment mal fait dans les FIFA, enfin dans les carrières tout simplement, c'est qu'on ne peut pas être remplaçant. Tu n'as pas été retenu, tu ne peux pas... Waouh ! Waouh ! Parle français putain ! Pardon, donc... Je disais, ce que je trouve dommage dans les carrières de FIFA, c'est que ils améliorent pas assez le mode carrière, et ça je trouve ça dommage. Après je comprends que le mode Ultimate Team, allez, je ne joue plus, je comprends que le mode Ultimate Team soit le mode de jeu qui rapporte le plus d'argent, c'est le mode de jeu où il y a le plus de joueurs, mais c'est pas la peine, c'est pas pour autant qu'il faut négliger le mode carrière, parce qu'il y a quand même une grosse communauté. On gagne face au Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. Il y a quand même une assez grosse communauté, je disais, sur le mode carrière. Donc je trouve ça vraiment dommage. On est 19ème. Et en tout cas, j'espère qu'un jour ils amélioreront considérablement le mode carrière. Et surtout le mode carrière pro aussi. Déjà, la base d'une carrière pro, c'est au moins qu'on puisse être remplaçant. Je sais pas. Donc, mais bon, on verra dans les prochains FIFA. En tout cas, on a été chercher une victoire importante parce que là, même avec la victoire, on est 19ème. Ex-aequo avec Reims, mais on est 19ème. Là, je joue plus. Là, il va me faire jouer face à Toulouse, s'il te plaît. Fais-moi jouer, fais-moi confiance. Allez!
Tu vas me faire confiance? Bah oui, faut hausser la voix pour qu'il me fasse confiance, allez. C'est bon, on joue. Alors là, les gars, je vous explique, je joue ma place de titulaire. En fait, moi, tous mes matchs, je joue ma place de titulaire, c'est simple. Donc là, ok, je suis en mauvaise forme, tout le monde est en mauvaise forme. Il n'y a pas un joueur qui est en bonne forme. Allez, les gars, allez, c'est parti. On joue pour moi, la victoire au bout, et je marque un petit triplé. Je vais opter, bon là, on est à la deuxième minute de jeu, je vais opter pour la technique à Zlatan, c'est-à-dire le buteur qui ne défend pas, c'est-à-dire le mec qui reste dans le rond central, qui attend que les balles arrivent à lui. Donc je pose la manette, et puis j'attends que mon équipe récupère la balle, et puis j'attaque tout simplement. Hein, donc, Wow! Hors jeu, monsieur l'arbitre, non, même pas. On s'est pris une tête, attention, parce que le mec qui a gagné son duel de la tête, c'est le plus petit. On dirait qu'il fait 1m12, quoi. Oh, et puis le gardien, je sais même pas si elle était cadrée, la tête. Allez, on se retrouve mené, comme d'habitude, c'est parti. Alors là, les gars, je veux dire, on joue en ultra off. Hein. Pressing, je vais au pressing, je lâche rien, j'ai dit. Mais reste par terre, toi. Voilà, c'est ça, un peu de combativité, les mecs, allez, là. C'est peut-être l'exploit. Allez, mais oui, les gars. Mais oui, le cinquième but, l'exploit. Magnifique. Bon, j'ai de la réussite, mais on s'en fout. Ça rentre. On égalise, quatrième but en Ligue 1. Allez, le coach, là, faut me faire confiance. Hein. Faut que je mette un doublé, au moins, là. Oh là 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 là. Ça passe. Accrochage de maillot. Mais lâche ça. Il y a eu un accrochage de maillot. Joue en retrait. Non, j'ai rien demandé en plus. Allez, je vais prendre ta place en défense. Boum. Oh oui. T'es parti, le caviar. Je pose la manette. Allez, gamin. Ça s'applaudit, les gars. Ça, c'est du football. C'est comme ça qu'on joue au RC Lens. Et oui, les gars, on prend l'avantage. 2-1. C'est magnifique. Mais oui. Allez, les potes. On va remonter. 8-1 de notes, c'est magnifique ça. Allez le coach, il va falloir que tu me fasses confiance à un moment donné. Hein. Je suis tout seul. Mais je tente. Penalty. Je suis blessé, il n'y a pas penalty. Qu'est-ce qu'il faut de plus là? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Mais non, monsieur l'arbitre, mais non. T'as rien. Tu fais quoi là? Pourquoi je le contrôle pas? Allez hop, c'est bon. Blessure. Pile poil au moment où je fais un match super, où peut-être l'entraîneur va décider de me faire jouer, bah là voilà, blessé. Je suis remplacé, en plus de ça je boite. J'espère vraiment que vous allez réussir à garder ce score de 2-1 les potes. Hein. Je suis dégoûté, simulé. 10 occasions créées, ouais super. Je vais aller voir tout de suite le résultat. Mais là vraiment ça marque un coup d'arrêt. J'ai vraiment pas de chance. Si c'est pas l'entraîneur qui est contre moi, c'est le jeu. Repos forcé combien de temps? 8 jours. Ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais par contre on va tout de suite voir le calendrier. Comment dire? On mène 2-1, on perd 5-2. Je sais pas quoi dire. Repos forcé, allez hop, je supprime tout. Y'a rien qui va. J'ai vraiment pas de chance. Allez hop, on va simuler. Forcément, j'ai pas été retenu. En plus de ça, je suis blessé. Allez, peut-être un résultat face à Marseille, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, les potes. Allez chercher quelque chose. Mais oui, voilà. Et on a gagné face à Paris et face à Marseille. Si ça, c'est pas un signe, là, franchement, la deuxième partie de saison, elle peut être pour nous, les gars. Elle peut être pour nous. Bon, si franchement, on aurait gagné le match face à Toulouse, on serait bien remonté au classement. Ça aurait été pas mal. Allez, 6000 mois, ça avance. J'aimerais bien faire mon retour dans pas longtemps. Là, dans quelques jours, je devrais faire mon retour, je pense. D'ici 3-4 jours, max. Avancer, continuer. Pourquoi ça s'est arrêté? Je vais aller voir tout de suite le classement aussi. On va aller voir le classement pour voir si on a fait une petite remontée. On joue Bordeaux. Là, normalement, ça devrait mettre. Je suis pas de retour. Je t'ai retenu, voilà. C'est ça. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir, les potes. Et d'ailleurs, je vais voir juste un truc au niveau. Voilà, au niveau de la forme, je suis quatrième. Donc, c'est pas trop mal. On va essayer de remonter un peu plus haut encore. Donc, ce qu'on va faire, hop, on est titulaire.
Il faut aller. Attendez. Avant d'aller chercher un résultat, je vais aller voir le classement. Au niveau du classement, on est 19e. Ça va pas. Ça va pas. Là, je veux vraiment, vraiment sortir de cette zone de relégation. Même si c'est Bordeaux, on doit remporter le match. On va jouer avec le maillot extérieur. On va les faire jouer en blanc, même si c'est leur maillot extérieur. Hop. Allez, on est parti. Je compte sur vous, les potes. On refait le même match. Enfin, les mêmes 45 premières minutes que face à Toulouse. Oh! Oh, monsieur l'arbitre! Eh oui, il a pas aimé. Dès le début de match, je m'amuse avec lui, là. Je sais pas c'est qui. Poco! Eh, je l'aime bien, Poco. En plus, il est super bon. Il est super bon, Poco, en vrai. Putain, c'est moi, jamais moi qui tire les coups francs aussi. Et ouais, les gars. Je provoque la faute. Et ça rentre. Coup franc magnifique de mon coéquipier. Là ça me fait plaisir, là ça vraiment l'équipe me fait plaisir. Je retrouve la joie de rejouer des matchs avec mon club. Et j'espère faire une magnifique deuxième partie de saison. En tout cas j'espère que vous allez me soutenir les potes. Et que bah, pour l'instant ça prouve que j'ai fait le bon choix de rester au RC Lens. Oh dommage. Petite passe clé, c'est dommage, c'était bien joué en tout cas, bien tenté. Ça manque un peu de précision, mais au moins on frappe au but, on a quelques occasions. Et en plus de ça, on mène au score, c'est le plus important. 6-5 de notes alors que je fais une passe clé, alors que c'est moi qui provoque le but sur le coup franc. Mais à part ça, je me tape 6-5 de notes quoi. 1-0 à la mi-temps en tout cas, c'est mérité, on fait plutôt un bon match. Donc j'espère qu'on va continuer sur le même rythme en deuxième période. Il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de faute, monsieur l'arbitre. D'accord, ok, tout va bien. Je me suis fait éclater. C'est beau. J'ai pas le droit de rater ça. Ça flirte avec le poteau. J'ai un pro qui a pas de finition. J'aurais peut-être dû mettre le plat du pied, il est pour moi. Nouveau poste, ATD. Voilà, on joue avec deux attaquants pour une fois. Ça, ça fait plaisir. Là, vas-y, vas-y. Les mecs, faut qu'on marque là, faut qu'on marque. Allez les gars, on a deux attaquants, on leur met la pression. Il faut absolument marquer, on est en offensif, ils sont pas bien du tout. Le jouer, ça c'est beau, ça joue bien. Ça joue bien, dans la profondeur. Oh, j'ai essayé de la rabattre les gars, j'ai essayé de cadrer, j'ai essayé, faut me croire, j'ai essayé. Tu sais le mec, il était dégueulasse, j'ai frappé, je me retourne à l'arrache et tout. Non, c'est compliqué, franchement c'est très très compliqué à mettre. Mais au moins les gars, là il y a de la détermination. On joue avec le cœur les gars. Ça pas suffit. Un partout. Match nul, je pense qu'on a fait un bon match. Au-delà de ça, on a fait un bon match. J'ai fait deux frappes non cadrées. Mais je trouve qu'on a fait tout de même un bon match. J'aurais pu faire une passe décisive. J'ai fait quand même deux passes clés. J'ai provoqué la faute sur le but sur coup franc. Donc j'ai fait globalement mon match. On va dire ça comme ça. Mais on a fait quand même un nul. Donc on n'avance pas beaucoup. Mais un nul face à Bordeaux, c'est pas dégueulasse. Parce que Bordeaux, c'est quand même une bonne équipe. Donc là, on va jouer face à Lorient. Je t'ai retenu dans l'équipe. Voilà. Voilà, les gars. Je pense avoir regagné ma place de titulaire. C'est reparti. Donc là, ça fait vraiment plaisir. On est bon. Donc, on va jouer. On a domicile. Donc là, il nous faut les 3 points. Clairement, il nous faut les 3 points. J'ai la petite flèche. Toute l'équipe a la flèche vers le haut. Donc, on va chercher les 3 points, les gars. Je m'engage. Oui, à droite, il y a du monde. Waouh. Le boulevard. Il n'y a plus de défense, allez, bien joué. Allez, tu gagnes ton duel de la tête. C'est encore... Le mec, il perd son duel de la tête. La balle arrive dans la surface et on ne sait pas ce qui se passe. Je sais pas, la défense, personne n'est là. L'autre, il fait une passe, il a le temps de faire une autre tête pour passer la balle à son pote. Et puis la reprise de volée, pied gauche de Jordan Ayew, quoi. Allez, on est mené. Allez, on va courir au score comme d'hab. Il n'y a personne. En bas, tu gagnes. Vas-y, t'es passé. Allez, gamin, retourne-toi. Penalty. C'est qui va tirer? Je pense pas que ça va être moi. Mais au moins, il y a penalty. Bien joué, mon pote. Bien joué, bien provoqué. Belle protection de balle. En plus, il n'y avait pas de danger. Donc, c'est celui qui l'a provoqué qui le tire.
En plus, il me semble que c'est lui qui a marqué le coup franc dans le précédent match. Allez, mon pote. Allez, Chavarria. Chavarria. Mais oui, bien suivi. À toi, Chavarria, à toi. Fais attention à toi. C'était quoi ce plat du pied dégueulasse? Ah, on s'en sort bien, franchement, on s'en sort bien. Oula, je vais pas dire son nom parce que. Bon, on va dire que c'est Lalaina qui a marqué. Bien joué, Lalaina. Ouais, je les appelle par leur prénom hein, parce que. Oui, contrôle, frappe. C'est dommage, mais c'est très très bien joué. Oh là 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 là. Ça, c'est bien joué. Allez, je m'applique le centre. Ça, c'est quand je m'applique, les gars. Alors, imaginez quand je m'applique pas. Ça, c'est quand je m'applique, hein. Le centre était au quatrième poteau en mode dégueulasse. Mais ça a failli faire but au final. On a fait un début de match très moyen. Et après, franchement, en fin de première période, on a vraiment très très bien joué. Et ça fait plaisir. Donc là, un partout. Mais on sent qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher les 3 points dans ce match-là. Les 5 dernières minutes de la première période étaient vraiment bonnes. Oh, devant. Allez, si on va marquer derrière ça, ça serait magnifique. On tente une petite roulette, on attend qu'il arrive. Oh, fuck. Oh, la vache. Il y a faute. Oh, il n'y a pas de faute. Bon, je débloque pas mal d'exploits, c'est déjà ça. Bon, c'est des maillots de corps, donc ça, on s'en fout. Dribble plus 1, ok. Ouais, je suis parti dans une série de dribbles. Plus une étoile geste technique, c'est bon, on a les 5 étoiles. Devant. Oh la vache! Penalty! C'est mérité, les gars! C'est mérité! Mais c'est rouge, c'est le dernier défenseur! Oh putain, c'est pas moi qui vais le tirer. J'espère que tu vas pas le rater. Ne rate surtout pas ce penalty. Putain, j'aurais tellement kiffé marquer ce but. Je mérite de le marquer, je mérite de tirer les pénalties. Et le score n'évoluera donc plus. Les deux équipes qui vont se contenter d'un nul. Attention, merci à vous Franck pour vos commentaires. A très bientôt. Match nul un partout, complètement mérité. Je pense que j'ai fait un match de merde. Flonox, l'homme providentiel. Je suis vraiment dégoûté par contre. Je suis vraiment, vraiment dégoûté parce qu'on a fait vraiment un très bon match. Je pense avoir fait un bon match. Le mec a quand même réussi à rater 2 pénaltys dans le même match. Il a réussi tout ce qu'il entreprend. Il a réussi tout ce qu'il entreprend. Je savais qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau, mais il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Et je dois le féliciter pour ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, coach. Enfin, vous me faites confiance. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que là, on doit gagner le match, mais 10 fois, quoi. On doit gagner ce match, quoi. On est 18e. C'est n'importe quoi. Toujours 71 de général, mais on a débloqué pas mal d'exploits. En plus de ça, j'ai mes 5 étoiles de gestes techniques maintenant. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et je vais changer mes chaussures maintenant. Je pense que j'ai pas le choix, ça va être les Adidas, les gars. J'ai qu'une seule paire. On va changer les chaussures, je veux bien changer les chaussures, mais là, j'ai qu'une seule paire. Toutes les autres, elles sont bloquées. Elles sont un peu dégueulasses, donc du coup, j'ai que les Adidas qui sont débloquées, donc on va prendre... Ah non, Penalty du Brasil. Oula, on dirait une marque pire que Kipsta. Ouais, ok. Tout est bloqué, c'est impressionnant. Bah ça va être les Adidas. Nouveau sponsor, allez hop, Adidas. Je suis sponsorisé par Adidas et puis voilà. Maillot rentré, non rentré, manche courte, longue. Oh, on va laisser courte. Hop, on va laisser comme ça. Style de coup franc, on s'en fiche. Est-ce que j'ai débloqué des trucs? Non, juste les touches longues. Je sais même pas comment j'ai... Ah, dribble précis, ça va m'aider aussi pendant mes dribbles. C'est peut-être pour ça que je foire pas mal de dribbles et que je perds beaucoup de ballons. Ça c'est bon. Donc voilà, le joueur s'améliore petit à petit, c'est pas mal. J'espère en tout cas que vous allez continuer de me soutenir les potes et j'espère que j'ai fait le bon choix. Je pense vous avoir prouvé que j'ai fait le bon choix puisque j'ai réussi à récupérer ma place de titulaire tout simplement.
Donc voilà, on va faire un petit rapport d'équipe, comme en chaque fin de vidéo. Rudy Ryu qui est en mauvaise forme, 24 matchs, donc personne n'augmente. Qui augmente Abdulba plus 1, Kantari aussi, moins 2 pour Lemoigne. Chavaria, alors lui, sincèrement, comment dire, t'as raté deux pénaltys. Il est temps de me donner les pénaltys. Sérieux, je veux bien qu'il tire les coups francs, mais laissez-moi les pénaltys. Moi, j'ai bien augmenté, j'ai 84 de vitesse, 82 d'accélération. Sachant qu'on n'oublie pas que je suis parti avec aucune aide, donc j'ai pris aucune aide. Donc voilà, ça fait plaisir, 71 de général, ça augmente petit à petit. Sachant qu'on n'a pas joué toute la saison, on a joué 10 matchs arrivés à la mi-saison. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va tout de suite voir le calendrier pour voir ce qui nous attend vendredi prochain dans le prochain épisode. Donc on va jouer face au FC Metz, ensuite l'ASM et pour clôturer la vidéo, ce sera face au LOSC. Donc on a quand même deux grosses équipes et un match à notre portée, on va dire ça comme ça, face au FC Metz. Même si c'est une bonne équipe, il va falloir aller chercher les 3 points. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like les potes. Dans la description, il y a mon Twitter et mon Facebook pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, c'était Flo Nox aux manettes.